haute tête turbulente. Ne dis plus rien. Tais-toi, mon âme, si tu existes. Attends le jour qui se lève. Cela lui arrive tous les jours. En attendant, je ne parle qu'aux oiseaux de la nuit qui peuplent ce donjon. Guetteur. C'est un beau métier que le mien. Mal payé, mais c'est un beau métier. Être aux frontières du monde connu. Le guetteur de pointe. Le guetteur d'élite. Responsable du bon sommeil de tous. Celui sur qui repose toute notre défense opérationnelle. Ce n'est pas de tourpeau. Sans compter le risque calculé d'être égorgé en silence. Ou percé de part en part d'une flèche inconnue qui aurait trouvé le chemin de la meurtrière. Qui va là? Y a quelqu'un? Toujours cette maudite porte. Il faudra que je le dise au forgeron qu'il y mette une petite goutte d'huile. C'est pourtant pas difficile. Mais non, j'ai pas rêvé. Qui est là? Y a personne? Sors d'ici, qui que tu sois. Quelques mulots en mal d'amour, ou l'un de ces rats des champs attirés par le lard des cochons. Mon capitaine me l'avait pourtant bien recommandé. Fais taire ton imagination, guetteur, et fie-toi à ta vue. À ta vue seulement, car l'invisible ne saurait nous atteindre. Tiens, voilà ma cousine qui rentre à la maison. Bonjour, ma cousine. Nous ne sommes plus très éloignés des premières heures de l'aube blanchissante. Ma foi, tant mieux. Et dès que le brouillard se sera dissipé, on y verra plus clair à l'est. Bonjour, guetteur. Ah, c'est toi, Beauclerc. Tu m'as fait peur. Je t'avais pris pour un rat. Ce n'est pas très flatteur. Ah, il est bien vrai que, contrefait comme te voilà, bossu, bancal et désossé, nul ne saurait te confondre Beauclerc avec Beauminon, le prince des sept charmes et des sept vertus. Soit dit sans t'offenser, l'ami. Mais tu le sais bien, ici dans la ville forte, quelles que soient tes disgrâces, on t'aime bien pour ta forte tête, bien pleine et bien instruite, et cette écriture si distinguée, presque calligraphique, qui t'a valu d'être nommé premier greffier de la cité, conservateur en chef de nos archives. Tu te moques de moi, guetteur. Rire ainsi d'un infirme. Ce n'est pas bien. Cela te portera malheur. Mais que me vaut l'honneur de cette visite matinale? Tu n'es jamais monté si haut dans les barbacanes et dans les caponnières jusqu'à cette échauguette au toit pointu. Ce mirador vertigineux d'où je surveille l'horizon, toujours aux aguets, prêt à déclencher le tocsin sur l'ensemble du front si la forêt se met en marche. C'est que... guetteur, vois-tu... Et quoi donc? J'ai peur de deviner. Ne viendrais-tu pas, j'imagine, pour mieux observer de haut l'immonde charogne qui pourrit à nos pieds depuis 3 jours dans l'ombre de la ravine? Si fait, guetteur, précisément. Tu ne t'es pas trompé. Je viens pour le rapport. Et je n'en ai pas dormi de la nuit. Le rapport? Quel rapport? Le rapport qui existe entre la mort de Kuno, le chasseur, et le guerrier de pierre qui l'a puni. Tais-toi, malheureux. Ces guerriers de pierre que nous tenons en respect, on ne prononce pas leur nom ici. Jamais. C'est un pacte entre nous. Et s'ils se sont assoupis, il ne faut pas les réveiller. Mais comment ne sais-tu pas que si les barbares frappent aux portes de la cité, c'est qu'ils sont déjà dans la cité? Allons donc. Nous les avons stoppés net par un rideau de fer, de feu et d'acier. Et qu'est-ce qu'un mort, un seul, entre deux armées sur le pied de guerre? Rien du tout. Que ce héros malheureux, imprudent ou malchanceux se dessèche et blanchisse sous nos remparts, sur l'autre rive du Gave. Ne l'as-tu pas compris? C'est précisément le gage même de la paix. C'est la règle du jeu. Nul ne doit broncher à cette provocation, et nul ne bronche. Nul ne doit y toucher.
fût-ce pour lui rendre les derniers honneurs que l'on doit aux combattants. Jusqu'à ce que ses os, déjà rongés par les renards et les chacals, tombent en poussière. Mais surtout si, comme ce matin, avant que le soleil se lève, nous parvient déjà la puanteur de son cadavre. Mais, guetteur, le cadavre de Kuno, le chasseur, au nom du Père, du Fils et du Très-Saint-Esprit, il est nôtre. Et notre premier devoir n'est-il pas de l'enterrer chrétiennement? Laisse-moi rire, Beauclerc, avec tes bons sentiments. Non. Regarde. Tu vois ce terrain vague entre nos deux frontières? Cette prairie ensoleillée, parsemée de colchiques, de marguerites et de gueules de loup? Eh bien, c'est l'endroit idéal choisi par les dieux ou par le diable pour que pourrissent les inconscients, les irresponsables qui jouent avec le feu. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que tu racontes, c'est affreux? Ils sont déjà 22 comme lui depuis moins de 5 ans, enfouis dans la luzerne. Aussi privés de sépulture que de gloire. Alors pour eux, pas de sonnerie aux morts, pas de minute de silence, pas de tambour voilé. Enfreindrais-tu le règlement pour de pareilles charognes? Non, n'est-ce pas? D'ailleurs, le règlement, il est formel et très clair. D'autant plus que la mort de Kuno, meurtre ou non, si j'en crois les gargouilles quand il pleut, aurait servi tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu insinues? N'en as-tu pas assez souffert, hein, toute ta vie durant? N'étais-tu pas son esclave et son souffre-douleur? Alors pourquoi le plaindrais-tu? Je te le demande. Malgré ses avanies et son sale caractère, je l'aimais bien quand même, Kuno. Et puis, je vais te le dire, tant pis pour moi. Je ne suis pas sûr qu'il soit mort tout à fait. Mon capitaine, rapport. Rien à signaler? Rien à signaler, mais on peut dire qu'avec vous, mon capitaine, 5 heures, c'est 5 heures. On peut le dire. Heure militaire. Tiens donc, Beauclerc, vous êtes ici. Ça tombe à pic. Mes respects, mon capitaine. Justement, j'allais vous envoyer une estafette. Ce jour sera pour vous le plus beau de votre vie. Monseigneur le comte de la Marche doit vous entendre au 12e coup de midi aujourd'hui même dans la grande salle capitulaire. Monseigneur? Oui. Oh. Toujours l'enquête sur l'étrange mort du chasseur Kuno. Étrange et ténébreuse affaire. J'espère qu'au moins votre rapport, lui, sera clair. Monseigneur de la Marche, ici, le comte, lui-même. Mm-hmm. Mais ce n'est pas possible, mais ça ne s'est encore jamais vu. Jamais, en effet. Mais le banc est convoqué. L'heure est grave, Beauclerc. Il faut vraiment qu'elle le soit pour que Monseigneur daigne venir nous voir dans nos casemates aux avant-postes en première ligne. Pour ma part, je ne suis qu'un modeste scribouillard, un simple greffier à peine, un archiviste. Moins qu'un garde champêtre et encore sans plaque, pas même un garde-chasse. C'est pourtant vrai. Beauclerc n'est qu'un modeste agent de l'administration. Justement, trop modeste. Sa modestie est un peu voyante. Je ne suis qu'une humble violette. Dans ces conditions, on peut se demander, mon capitaine, en quoi le témoignage de ce rat de bibliothèque... Décidément, guetteur, les rats, ça vous obsède. En quoi son témoignage peut-il être de quelque utilité dans une si haute juridiction? Détrompez-vous, guetteur. Il est capital. Monseigneur le comte de la Marche, qui se méfie de ses hauts fonctionnaires, tient le plus grand compte du témoignage des petits. Il considère, crois-je savoir, que la mort de Kuno, écrasé par le pied d'un guerrier de pierre, n'est pas un simple accident, mais qu'elle pourrait avoir été provoquée, ou être volontaire. Une provocation, pour ainsi dire, qui pourrait dégénérer, si nous n'y prenons garde, en incident diplomatique de première grandeur, ou en catastrophe. Car il n'y a plus d'escalade possible. Dialectique irréprochable. Alors, mes amis, redoublez de veille et de prière. Pour que l'épouvante ne nous paralyse plus. Mais quelle est cette fumée noire qui monte dans le ciel?
Au-dessus de l'épaisse frondaison, le bivouac d'un chasseur égaré, solitaire. Plutôt le bûcher d'un sacrifice humain. Un sacrifice rituel? Les guerriers de pierre en sont friands. Oh. Allons, messieurs, trêve de cauchemar. Voyons, reprenez vos esprits. Dans quelques heures, Monseigneur le comte de la Marche présidera la cour spéciale, bien décidé à faire toute la lumière sur la mort tragique de notre infortuné compatriote, le chasseur Kuno. Votre ancien maître, Beauclerc? Non. Dont nous devinons d'ici la dépouille écrasée. Il y a trop de mystères dans ce décès pour que toute la lumière ne soit pas faite par la justice. Et par ceux-là même qui en furent les premiers témoins. Everhart et Hans, les rabatteurs. Dame Jiva, sa maîtresse. La belle femelle à la toison noire qui partageait sa couche. Et j'allais vous oublier, Beauclerc. Vous, son homme lige. Victime et, comment dirais-je, complice de ce débordement. Victime, plus que complice, mon capitaine. Sûrement, sûrement. Mais déjà, j'entends les ponts-levis qui se baissent, les sonneries de trompe, corps et clairons qui annoncent la chevauchée fantastique. Car n'en doutez pas, Monseigneur mène grand train, comme s'il était cardinal à Rome. Alors, à tout à l'heure, je me dois à notre hôte. Et guetteur, veille au grain, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux drames, et que, bien entendu, personne ne s'approche de près ou de loin du cadavre, ni ne le déplace, ni l'ensevelisse ou le maquille. Oh, j'y veillerai, mon capitaine. Mais entre nous, la terreur régnant déjà dans la place et la garnison étant consignée, je doute que quiconque songe à aller là-bas, voir si j'y suis. Bravo. Ah, j'oubliais le principal... Monseigneur de la Marche aura l'appui et le conseil de Déoda, son bras séculier. La plus haute autorité religieuse et la conscience du royaume. Mais, voyons, vous le connaissez, Beauclerc, Déoda, hein? Rappelez-vous, c'est votre ancien directeur des études au collège épiscopal de Pierrebourg. Hein? Eh bien, le chanoine Déoda, déjà on pense en haut lieu à le coiffé d'une mitre, pourchasse inlassablement... Main de fer dans un gant de velours, les moindres traces de sorcellerie. N'est-ce pas, Beauclerc? Eh bien, à tout à l'heure. Au 12e coup de midi. Heure militaire, attention! Quelques heures plus tard, dans la grande salle de la forteresse, pendant que Monseigneur le comte de la Marche assiste à l'office divin, le moine Déoda retrouve Beauclerc, son ancien élève. Oh, mon fils, quelle joie de te revoir. Et que le ciel soit béni qui nous ménage cette entrevue avant même que l'instruction ne soit close. Père... Ma joie aussi est grande de vous retrouver après une si longue absence. Je n'ai pas oublié le temps où vous m'avez enseigné les rudiments de la vraie religion qui s'oppose aux forces de la nuit. Mais ici, vous le savez, au contact de la nature et de la forêt primitive, souvent le cœur nous fait défaut. Oui, je sais, je sais. Nous comprenons cela. Tant mieux, tant mieux. Toutefois, Monseigneur et moi... Et nous partageons la conviction que règnent encore dans ce pays quelques-unes de ces vieilles croyances entachées de paganisme qui mettent vos âmes en grand danger, voire en perdition, et qui seraient de nature à vous entraîner dans le gouffre insondable des puissances infernales. Que me dites-vous là ? Naturellement. Je veux croire, Beauclerc. Toi qui as tant souffert, hélas, de tes infirmités... Et de ta condition. Oui, je veux croire, et je le crois, que tu n'as jamais douté de la miséricorde divine et de son infinie bonté, que tu es resté sourd aux appels du griffon et des anciennes paniques existentielles qui s'emparent, pour ne les lâcher plus, de l'esprit des simples. Père, vous avez été si bon pour moi à la mort de ma mère
Quand j'étais tellement désemparé, prêt à couler à pic, je ne l'oublierai jamais. Je vous en serai toujours reconnaissant. Mais je n'ai fait que mon devoir. Ce que je lisais en toi, Beauclair, comme dans un livre ouvert. Je connaissais ta solitude, tes problèmes, tes curiosités intellectuelles si légitimes, et la clarté de ta belle âme éprise d'absolu. Car, enfin, la vérité n'est-elle pas plus encore que la justice le premier idéal de l'homme? De l'homme debout et non couché, et de l'homme à genoux, le plus grand de tous. Ah oui, comme elles furent enrichissantes et fécondes ces 3 années de scolarité qu'à ma demande, devant tes dispositions, Monseigneur t'octroya en notre école épiscopale, où je t'initiais au prodigieux mystère du Nouveau Testament. Tu étais doué, Beauclair, pour me suivre en altitude. Et nous comptions sur toi, pour nous aider à chasser l'hérésie, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces puériles superstitions, ou, chose plus grave, avec ces crimes expiatoires qui entachent notre société, pour que Kuno le chasseur soit la dernière victime de ces folies sanguinaires. Kuno est un mort innocent. Il n'y a pas de mort innocent. Mais je ne demande qu'à te croire. Tu nous répéteras cela tout à l'heure, sous la foi du serment. Comprends-moi bien, mon fils. Nous voulons des témoignages, des preuves irréfutables. Bref, nous voulons la clarté sur cette disparition étrange. Rien que la clarté, mais toute la clarté. Père, si je vous disais, c'est un accident de chasse. Je n'en croirais rien. Rien du tout. D'ailleurs, le peuple ne le croit pas non plus. Il voit partout des signes et il ne croit qu'à la maléfique et fatale puissance des guerriers de pierre. Et c'est cela qui est intolérable. Oui, cela est vrai, mais ne m'aviez-vous pas dit que par mon âme immortelle, je participerais à la gloire de Dieu? Et que cette gloire, je la partagerais comme nous partageons dès ici-bas le pain et le vin. C'est parfaitement exact. Et vous avez ajouté, es-tu sûr de n'avoir qu'une seule âme? Quoi? J'aurais dit cela aussi, sûrement pas. Comment est-ce possible? Oh, si, père, vous l'avez dit. Es-tu sûr, Beauclair, de n'avoir qu'une seule âme? Ce sont des sornettes qui m'eussent ouvert la route du bûcher. Ah oui. Oui, c'était un jour où vous étiez en colère contre moi, je reconnais. Je l'avais mérité, mais je vous revois encore les yeux égarés, farouches, criant sans répit. Combien as-tu d'âmes, pauvre Stropia? Combien as-tu d'âmes? Oh, fils, la passion vous égare. Et moi, je ne demandais rien. J'étais heureux comme ça, si j'ose dire, bien dans ma peau. Mais personne n'était plus habile que vous pour débusquer le satanisme et nous culpabiliser. Et c'est vous, je m'en excuse, qui inventiez toutes ces chimères, ces péchés inconnus. Vous, l'archiprêtre, le grand vicaire, toute cette terreur pénitentielle. Allez, tu passes les bornes. Je t'adjure, au nom du vrai Dieu, en 3 personnes, seul maître de l'univers, de cesser cette querelle. Mais qui aurait pu m'instruire? Kuno était un porc qui t'a réduit en servitude. Et je vois qu'il avait repris sur ton corps débile et sur ta petite cervelle toute son emprise. Ose dire le contraire? Non, Kuno ne m'était rien. Oh, on en pourrait douter. Dites-moi, capitaine, monseigneur, y a-t-il beaucoup de gibier le long de la rivière? Des poules d'eau, monseigneur, des pluviers dorés, des sarcelles, des courlis, et aussi des loutres et des blaireaux. Oh, j'aime beaucoup les pâtés de blaireaux, je les trouve succulents. Pas vous? Oh, je partage les goûts de votre excellence. Malheureusement, avec la mort de Kuno, j'ai perdu mon meilleur... comment dirais-je? Mon meilleur braconnier. Qu'il repose en paix. Repos.
Son Excellence, Monseigneur le Comte de la Marche. Mon cher Diodat, prenez place à ma droite. Monseigneur. Messieurs, si nous sommes venus de la capitale fédérale dans cette haute citadelle, pointe avancée de notre système de défense, c'est bien pour donner au procès qui s'ouvre un éclat exceptionnel. Et de votre verdict qui fera jurisprudence, j'attends, messieurs, autant de fermeté que d'objectivité. Avant de faire comparaître Dame Jiva, l'épouse de la victime, usant de mon pouvoir discrétionnaire, j'aimerais entendre le sire Beauclair, premier greffier de la cité, pour une relation des faits parvenus à sa connaissance qui ont entraîné la mobilisation et la levée du banc. Même si, comme chacun sait, la mobilisation n'est pas la guerre. Oh. Monseigneur. Messire Beauclair, nous vous écoutons. Monseigneur, messieurs, ma déposition sera brève. C'est dans la nuit de la Saint-Jean, il y a 3 jours francs, que le chasseur Kuno fut écrasé par un guerrier de pierre. À la jonction de la Grande Faille et des gorges de la Maronne. Et tout nous porte à croire qu'il est mort subitement, comme frappé par la foudre. Depuis qu'il est mort, personne ne l'a approché ni touché. Sauf sa compagne Jiva, qui tint à lui rendre un dernier hommage. Au péril de sa vie. Et contrairement aux instructions formelles du commandement. Je vous remercie. Cette dame, nous l'entendrons tout à l'heure, mais d'abord. Diodat. Monseigneur. Votre sentiment. Avez-vous une question supplémentaire à poser au témoin? Oui, monseigneur. J'aimerais savoir, précisément, si Kuno le chasseur, dont la réputation de brillant Nemrod n'est plus à faire, et qui n'ignorait certainement pas les dangers encourus dans l'autre monde, était ou non accompagné de sa meute ordinaire. Sur ce point, je crois pouvoir dire que les avis divergent. Les uns, comme Eberhard, l'ont vu partir seul, avec détermination, comme résolu à se perdre dans les bois. Et les autres, comme Heinz, pensent qu'il pourchassait avec ses chiens et le loutre de grande taille qui remontait le cours du torrent. Mais sur le fond, la vérité m'oblige à dire que si tout le monde peut constater à l'œil nu sa mort, provoquée par un écrasement de la cage thoracique, nul parmi toutes les personnes interrogées ne saurait dire comment et par qui et pourquoi cette victime fut désignée aux dieux et tomba sous leur coup. Mais il faudra bien pourtant que quelques langues se délient. Kuno le chasseur, c'est ma conviction, appartenait sans doute à l'une de ces sectes démodées qui voûtent un culte démoniaque à l'âme des morts. Et les démons qui règnent de l'autre côté de la frontière se servent des guerriers de pierre pour combattre le progrès et la vraie foi. Nul ne peut plus méconnaître que ceux qui habitent ces forêts et ces déserts, et surtout les chasseurs, les paysans analphabètes, les forgerons, et les bûcherons qui débitent du charbon de bois profitent des feux de la Saint-Jean et du désordre phallique qui en découle pour conjurer à leur manière les larves du monde souterrain. Et qu'en brûlant des roues tressées, des croix celtiques ou gammées telles qu'on a pu en distinguer nettement autour du cadavre de Kuno, ils adorent ainsi le dieu de la foudre et des orages. Que le loup, par exemple, est consacré à la terre-mère. Et qu'en se revêtant de son pelage et de sa fourrure, comme les barbaresques le font de la peau du léopard ou du lion, ils participent ainsi de façon magique à leur force et à leur stupéfiante cruauté naturelle. Laissez-moi terminer! Ils croient, les malheureux, que les âmes des morts, loin de participer à la résurrection du Christ, revivent dans ces statues de pierre, et que les initiés de cette aberrante superstition peuvent devenir immortels par pétrification.
Ce qu'ils veulent, c'est tourner le dos à l'histoire de l'humanité. Revenir aux ténèbres et aux mystères originels. Remonter dans l'échelle de la création. Mais songez-y, messieurs, si vous croyez, comme moi, que l'animal est plus vivant que le végétal, et que le végétal est plus vivant que le minéral. Quel gouffre à franchir! Quand un homme prétend redevenir pierre et donner quelque consistance métaphysique à la matière, oh, c'est fou! Et nul aussi ne songerait à s'en inquiéter si cette conception primaire et primitive de l'univers n'aboutissait à une régression fondamentale du destin de l'homme et de ses libertés. Plaise à votre Excellence entendre le premier témoin. Faites comparaître devant la cour Dame Jiva, la compagne du défunt. Bien. Dame, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je jure de dire la vérité, toute la vérité, en mon âme et conscience. Je le jure. Bien. Dame, le tribunal s'incline devant votre deuil et votre grande douleur, mais c'est notre devoir de vous interroger. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas besoin, connaissant les liens qui vous attachaient à elle, de vous demander si vous connaissiez la victime. Très bien, Monsieur le Comte. Aviez-vous quelques pressentiments de sa mort tragique? Non, Monsieur le Comte. Alors, comment expliquez-vous cette affreuse fatalité, ou disons, dans le meilleur des cas, cette folle imprudence? Mais Monseigneur, c'est moi qui vous le demande. Monseigneur. Donc, le soir du meurtre, vous n'étiez pas avec Kuno? Non. Alors pourquoi le lendemain matin êtes-vous allé tout droit vers la rivière interdite? Et justement du côté des guerriers? Parce que j'ai craint ce que tout le monde redoute ici. Quand un malheur arrive, on pense tout de suite à eux. Vous saviez donc qu'un malheur était arrivé? Mon homme n'étant pas rentré à midi, selon son habitude, ne pouvais-je craindre le pire? Vous savez, je ne suis pas de ces femmes qui attendent à la maison en se tordant les mains. Oui, mais le greffier Beauclair, qui recueillit de par sa fonction les premiers éléments de l'enquête, vous a trouvé, enfin vu son rapport, non pas auprès du corps de la victime, mais dans la partie la plus resserrée du défilé, après le sceau détruite. Qu'alliez-vous faire là-bas où personne, jamais, ne s'aventure? Mais... simplement voir s'il n'y avait pas d'autres blessés. Mais votre compagnon, Dame, appartenait donc à un groupe, à une communauté? Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Vous comprenez fort bien. Pourquoi, s'il agissait en solitaire, y aurait-il eu d'autres victimes? Mais parce que, dans la nuit de la Saint-Jean, où il s'égayait avec les autres chasseurs de la commune, ses compagnons, ses camarades, n'importe qui peut provoquer les guerriers, ne fût-ce que par jeu. On boit beaucoup, on tire des feux d'artifice, on s'excite les uns les autres, on parie. Ah, on parie! Quel pari? Je ne sais pas, moi. Toucher aux pierres, fouiller dans les terriers, enfumer les lapins, traverser la falaise. Ou brûler des roues de paille tressées devant les idoles. Mais cette nuit-là, tous les feux sont permis. On brûle n'importe quoi, pour le plaisir d'illuminer la nuit. Sans pour autant sacrifier aux anciens dieux, comme vous semblez le croire. Et les offrandes enflammées font pourtant partie de ce culte détestable. Mais ce culte n'existe plus depuis longtemps. Du reste, comment Kuno, qui ne savait ni lire ni écrire, aurait-il pu connaître des rites que notre génération ignore? Mais que vos parents connaissaient et pratiquaient. Les pauvres, ils sont morts, je n'avais que 10 ans. Mais vous saviez pourtant que leur disparition a été contestée. Et que l'Église, malgré sa grande bonté, leur a refusé le droit d'être inhumé en terre chrétienne. On le refuse à Kuno, et sa mort n'est pas suspecte. Ah, vraiment?
par ce que vous trouvez que mourir écrasé ici, par un guerrier de pierre, dans le contexte international, est une mort naturelle. Ici? Oui. Monseigneur le comte de la Marche le sait très bien, puisque ses ancêtres ont bâti cette forteresse imprenable pour nous protéger précisément de leurs maléfices. Vrai ou faux, monsieur le comte? Passons. Bien, il faut chercher ailleurs, oui, monseigneur. Oui. Dame, n'auriez-vous pas eu quelque explication, quelque différend entre vous, comme il arrive dans les meilleurs ménages? Une mésentente passagère, une dispute un peu vive, qui eût poussé Kuno, par quelque faiblesse de nature, à mettre fin à ses jours, volontairement. Oh, monseigneur... Non, ne vous en offusquez pas, je pose simplement la question. Impensable, monseigneur. Nous nous aimions d'amour. Beauclerc, ici présent, votre greffier, pourrait en témoigner. Lui qui assistait souvent à nos ébats aux premières loges. Beauclerc, comment cela, vos ébats? Oh, non par malice, mais parce que faire l'amour nous semblait à tous les deux, Kuno et à moi, une des choses les plus naturelles qui soient. Et puis vous savez, à la campagne... Beauclerc, est-ce vrai? Sans offenser la pudeur du tribunal, et bien que nous délibérions à huis clos, est-ce vrai que vous ayez été le témoin, et peut-être même, j'en frémis, le partenaire actif d'actes sexuels que la morale réprouve et que l'expression aux premières loges semblerait accréditer? J'y exagère beaucoup. C'est une fois, peut-être. Bon. Oui, le souvenir m'en revient. C'était dans ce petit pré carré où il trouva la mort. Et pendant la fenaison, Kuno m'avait invité à caresser sa femme. Il ment! Tu mens, Beauclerc! Au début, c'est vrai. C'est vrai! Elle a raison! Jiva n'était pas tellement consentante. Mais, sans doute par jeu, pour éprouver sa supériorité sur moi, car il me méprisait et m'adorait à la fois. Kuno arracha un à un les faveurs de son gorgerin. Mais c'est pas possible! Comment peut-il ainsi salir notre amour? Déjà, la fine étoffe de cachemire avait glissé sur sa belle poitrine, faisant naître en moi un trouble insoupçonné et découvrant à ma vue deux seins d'un tel éclat, d'une telle fermeté, d'une telle blancheur. On aurait cru des seins battus en neige. Le tribunal appréciera. Oui, et puis alors Kuno nous menaça tous les deux de son couteau. Caresse-les donc, chien, les seins de ma maîtresse. Hein? Tu m'as bien entendu. Régale-toi, mon chien. Tu baves, hein, tu en baves, hein. Car c'est ainsi qu'il me traitait. Mais faites-le taire, vous voyez bien qu'il délire, qu'il dit n'importe quoi. Mais soudain, se ravisant, j'ai cru qu'il allait littéralement m'égorger. Je le suppliais de ne pas me laisser mourir sans confession, mais en proie au démon de la luxure qui le possédait, il proférait à mon endroit de nouvelles menaces. « C'est pas pour ton vilain museau, criait-il, chien de ma chienne !»« Depuis quand les avortons comme toi osent-ils manger de la brioche ou laper la crème fraîche ? Tiens, regarde ! C'est tout ce que tu sais faire !» Et là, oui là, devant moi, sous mes yeux, avant de disparaître sous la ramée, il l'a pris et la pénétra de vive force, comme un bouc une chèvre. Alors, cessons ces diableries. C'est pourtant là la vérité. La cause est entendue. Oui, nous sommes suffisamment instruits. Il vaut mieux faire évacuer la salle. Alors, évacuez la salle. L'audience est suspendue. Alors, évacuez la salle. Allons, sortez. Monseigneur, Jiva est une sorcière. Elle les a tous ensorcelés. Heinz, Ebrard, Kuno, Beauclerc. Ce n'est ni Teutates, ni Taranis, ni la déesse mère aux mille tétons qui lui donne cette puissance. C'est Satan lui-même. Votre justice, monseigneur, doit passer et le châtiment être exemplaire. Déoda, je ne suis pas de cet avis. Je repars pour Pierrebourg. Monseigneur. Non, ce qu'il faut au contraire, c'est donner aux inculpés l'impression que nous croyons leur innocence. Mais... les laisser libres. Vous me suivez? Alors seulement, ils commettront le faux pas décisif. Vous n'aurez plus cette fois que les cueillir. Habile, monseigneur, habile. Alors, venez dehors.
8 jours plus tard, le greffier Beauclerc ne savait toujours pas si Kuno était mort assassiné par Jiva la sorcière ou s'il s'était sacrifié sur son ordre dans la zone interdite pour obéir à on ne sait quelle puissance occulte. Hein ? Hein ? Ah, c'est toi, Jiva. Pourquoi viens-tu me tourmenter? Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu te trompes, Beauclerc. Tu te méfies de moi? Tu crois que je te déteste? Au contraire, je t'aime bien. Hein? Je vais te dire aussi une chose que tu ignores et qui va t'étonner doublement. Kuno aussi, lui, il t'aimait bien. Tu perds ton temps. Oui. Contrairement à ce que tu penses, à toutes les apparences, Kuno t'aimait tendrement. Et si incroyable que cela paraisse, s'il avait peur de toi, pauvre infirme, c'est parce qu'il redoutait le jugement que tu portais sur lui. Mais, mieux encore, regarde cette pomme. Cette pomme de pin miraculeuse dont les écailles sont réversibles. Elle est belle, cette pomme. Et mort dorée, non ? Eh bien, Kuno l'avait trouvé dans la forêt. Ce sera pour notre Beauclerc, m'a-t-il dit gentiment. Tu vois qu'il pensait à toi avec amitié. Note bien, cette pomme merveilleuse, j'aurais pu la garder pour moi. Mais je ne reprendrai pas ce qu'il t'a donné, car c'est le vœu d'un mort. Mais tu sais bien que ce n'est pas un mort comme les autres. Il est comme suspendu entre la lumière et les ténèbres. Son âme aspire à se joindre à la nôtre. Et qui pourrait l'aider à nous rejoindre si tu ne l'aides pas? Moi, malheureusement, je ne peux plus rien pour lui. Mais toi, au contraire, tu es tout puissant, puisque tu es à la fois son esclave et son maître, et qu'il est ton seigneur et ton ami. Souviens-toi, il n'est pas enterré. Pas d'eau bénite, pas d'encens, pas de prière ni d'absoute. C'est important, l'absoute. Détrempe-toi, Jiva. J'ai prié pour lui, pour son repos éternel. Tu as bien fait, mais c'est insuffisant. Et malgré l'interdit, tu es retourné là-bas, au sceau détruite. J'en arrive. Et sais-tu bien que décédé depuis plus de 10 jours, son corps est inchangé, intact, qu'il n'a même pas la raideur cadavérique? Sa chair est imputrescible. Les corbeaux la respectent, et même ces insectes extraordinaires que l'on appelle des nécrophages et qui sont pour ainsi dire les croque-morts de la nature, s'en écartent avec respect. Crois-moi, Beauclerc, il n'est pas trop tard. Il peut encore revivre. Et si tu l'appelles, il reviendra. Non, tu ferais mieux de ne pas compter sur moi. Si, je t'en supplie. C'est très simple. Prends cette pomme dans ta main et serre-la fort, comme tu prenais mes seins dans la clairière. Et dis avec moi, Seigneur du rocher, sois le bienvenu. Non. Allons, non. Dis-le avec moi, avec ferveur. Seigneur du rocher. Oh, Seigneur du rocher. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Maintenant, Beauclerc, tu es des nôtres. Des vôtres. Corps et âme. Et nous voici enfin confondus dans l'éternel amour. Ne crains rien. Et surtout, ne résiste pas. Laisse-toi aller. Et figure-toi qu'entre la victime et son bourreau, c'est peu de dire qu'il y a complicité, que l'un ne va pas sans l'autre, jamais. Et quand l'amour s'en mêle, ils sont indissolubles, non comme des complices, mais comme des amants. Or donc, mon petit chevreuil, je vais te dépecer et te manger tout cru, sans épices ni sauce, et tes épaules pointues, ta patte difforme, tout.
tout me sera festin. Et je ne ferai de toi qu'une bouchée. Oh, quel régal. Toujours ton appétit d'ogre. Tu ne changeras donc jamais. Détrompe-toi. Pierre parmi les pierres. J'ai appris beaucoup de choses depuis ma mort apparente. Et je ne suis plus du tout le Cunot que tu détestais. J'y vais à bien parler, car je t'aimais d'amour. Et pourtant, tu veux encore me dévorer, me détruire et m'engloutir dans ton néant. Il n'y a pas de néant pour ceux qui s'aiment. Cela nous rappellera les beaux jours. Mais pourtant, Cunot, toujours tu m'as fait souffrir. Et je ne suis plus qu'un roi de douleur. Non, tu n'es pas mon maître. Tu n'es plus mon maître. Et j'ai décidé de vivre libre, d'être enfin un homme libre. La liberté. Mais quelle dérision. Quelle utopie. Crois-tu vraiment que la liberté, pour le peu qu'il reste à vivre, te donnera la vie éternelle? Et pourquoi m'as-tu appelé en songe? Pourquoi suis-je venu? Et puis enfin, que peux-tu craindre d'un mort? Qu'il revienne. Jamais. Jamais je ne reviendrai. Et c'est toi qui dois me rejoindre. Amour contrarié. Amour partagé en trois personnes. Car j'aime toujours Jiva, d'un amour sans pareil. Plus tard, bien plus tard, je deviendrai à mon tour un guerrier de pierre, pareil à celui qui m'a écrasé. Cunot, pourquoi donc t'es-tu sacrifié aux anciens dieux? Voulais-tu vraiment survivre dans un monstre de pierre? C'est Jiva qui a tout fait et tout manigancé, obéissant sans doute à quelque volonté souveraine qui nous dépasse tous. Toi non plus, mon petit chevreuil, tu n'échapperas pas à ton destin, et tu viendras me rejoindre dans la fatale falaise, et le désir de vivre se retirera de toi, et rien, plus rien, ne te rattachera plus alors au monde des vivants, puisqu'à ton tour, guerrier de pierre, et muni de cette pomme magique, tu connaîtras enfin la paix. La paix. Seulement